J'appelle à la barre Stathis Kouvelakis. Alors, comme votre nom l'indique, vous êtes philosophe. Alors, vous vous piquez d'être un islamo-gauchiste grec. Vous n'avez visiblement rien d'autre à faire dans votre existence de philosophe. Hein, c'est, je ne sais pas, vous étiez disponible, accessible à des folies idéologiques dans lesquelles vous vous êtes commis et compromis. Et alors, évidemment, comme vous êtes grec, je regrette de le dire, hein, j'ai beaucoup de respect pour le peuple grec, n'est-ce pas, la Grèce antique, mère de toutes nos pensées rationnelles, entre autres. Mais enfin, soit dit en passant, vous ne comprenez rien à l'universalisme français. Hein. Là, il va falloir faire des cours de rattrapage, c'est urgent. C'est urgent. Si vous voulez sortir de ce mauvais pas d'être un idiot utile pour l'ensemble de cet antiracisme politique là, qui prétend avoir tenir la dragée haute à la République, il va falloir faire quelque chose. Donc qu'avez-vous à proposer? Ou bien persistez-vous dans votre fourvoiement? Madame la Présidente, je plaide coupable. J'ai plusieurs raisons pour cela. J'en dirai quelques mots par la suite, mais vous me permettrez de commencer par celle-ci, qui est un peu personnelle. Jeune étudiant, fraîchement débarqué en France de ma Grèce, mon baptême de feu en matière de manifestation s'est fait en une belle journée de décembre 1983, avec la dite « marche pour l'égalité et contre le racisme ». Si donc une marche à ce propos s'était avérée nécessaire, c'est, en ai-je conclu, peut-être naïvement, qu'il y avait un problème, et un problème sérieux. Plus particulièrement de cette journée, je n'oublierai jamais les dizaines de portraits de toute taille que brandissaient les mères, les sœurs, les amis des jeunes abattus par la police ou par des particuliers, dont l'évident point commun était d'être issus de l'immigration, comme on dit. Autant de crimes impunis, mes co-accusés qui ont précédé l'ont rappelé, qui montraient de la façon la plus évidente que la vie humaine en France ne valait pas, ne vaut pas pareil, selon qu'on s'appelle Rachid, Zied, Bouna ou Marcel. Autant de crimes qui révèlent l'ampleur du racisme d'État et de la racialisation des relations sociales que celui-ci condense. À propos de l'universalisme français, qu'effectivement je ne comprends guère, ou peut-être de l'universalisme en France, faudrait-il dire, on pourrait, à mon avis, reprendre la phrase attribuée, à tort semblerait-il, à Gandhi, lequel, à la question « Que pensez-vous de la civilisation occidentale ?» aurait répondu « Ce serait une bonne idée. » Comment, en effet, réagir autrement, non pas simplement à la ténacité de ce racisme d'État, mais au refus non moins ténace d'en reconnaître l'existence et d'avoir un débat sur cette question? C'est peut-être cela, d'ailleurs, qui en fait la spécificité, car le phénomène lui-même ne connaît pas de frontières, comme le capitalisme du reste, à l'histoire duquel il est indissociablement lié. Dans le degré de la dénégation dont il fait l'objet, par contre, il y a sans doute une spécificité française, une spécificité liée à la façon dont fonctionne dans ce pays un discours qui se prétend universaliste, comme fondement du récit national. De la France de 1789 et des droits de l'homme, on nous rabat les oreilles à chaque instant. Par contre, il a fallu attendre la fin des années 1990 pour qu'un Premier ministre, qui, quoi qu'on en pense par ailleurs, n'avait pas oublié qu'il avait milité dans sa jeunesse contre le colonialisme, désigne le fait par son nom, à savoir la guerre d'Algérie. Il y a cependant une autre dimension, peut-être plus pernicieuse, de cette opération d'exclusion, de ce déni de citoyenneté, si ce n'est d'humanité, et en réalité les deux vont de pair, toute la question du racisme est là en un sens. Une autre dimension dont il faut me dire quelques mots, qui est celle de l'Europe. La Grèce, vous le savez sans doute, peut-être Madame la Présidente, est soumise depuis maintenant 6 ans à un régime d'austérité de choc, incontestablement le plus dévastateur et le plus violent jamais mis en place dans un pays ouest européen depuis la guerre. Ce régime n'a pu se mettre en place qu'accompagné d'une mise sous tutelle du pays par ses créanciers,
véritable entreprise néocoloniale dont le nom est Troïka. Cette Troïka, devenue quatuor depuis un an, est constituée de l'Union européenne, d'institutions qui en dépendent directement, et elle s'est associée les services du FMI, bien connu pour son savoir-faire en manière de saigner administrée dans les pays du Sud global. Or, quel est le discours qui a massivement accompagné la mise en place de ce régime et qui visait à le justifier? C'est l'image de Grecs paresseux, dépensiers, corrompus, vivant une dolce vita ensoleillée aux dépens de leurs vertueux partenaires d'Europe du Nord qui acceptaient généreusement de les aider. Il était donc normal qu'ils paient et qu'ils souffrent pour se racheter de leurs péchés et rentrer dans le droit chemin européen. Ce qu'on a vu en d'autres termes, c'est la reprise des stéréotypes de l'orientalisme, dépeignant un Orient avachi, attardé et sournois. Peu de temps après, on a vu fleurir des discours similaires à propos de pays qu'on a nommés de façon parlante les « pigs », cochons en anglais, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, qui, avec la Grèce, ont également été soumis à des plans draconiens d'austérité et de mise sous tutelle. Il y a quelques jours, le ministre allemand des Finances, M. Schäuble, s'adressant à son homologue américain, Jack Lew, a déclaré « Nous laisserons Porto Rico adhérer à l'euro si vous vous chargez de la Grèce ». Voilà qui n'est sans doute pas sans rappeler la façon dont les Irlandais étaient désignés au temps de l'Angleterre victorienne, les nègres de l'Europe. Or, il faut le souligner, ce n'est pas simplement un passé impérialiste et colonial qui refait surface ici. Ce discours est le produit des contradictions du présent, ceux d'une Europe tout entière construite sur la négation complète de la démocratie, conçue sur un modèle fait pour verrouiller un développement de plus en plus polarisé et polarisant. Et on sait d'expérience que dans ces machines à broyer les faibles, les perdants n'ont droit qu'au mépris, stigmates racisants compris. Et pourtant, ces perdants de la périphérie européenne que sont les Grecs sont encore logés à meilleure enseigne que les centaines de milliers venant de l'autre rive de la Méditerranée ou de plus loin encore et pour lesquels cette mer est devenue synonyme de charnier liquide. Selon les dernières estimations, plus de 20 000 y auraient laissé leur vie en tentant la traversée de ce qui, depuis les années de la fin des années 80, est devenu l'Europe forteresse. L'anonymat qui prévaut à cette mise en mort de masse, qui se déroule à nos portes, la plupart du temps dans le silence et dans l'indifférence, ne laisse aucun doute sur le fait que ce qui sépare cette Europe de son extérieur n'est autre que la frontière entre l'humanité pleine, c'est-à-dire européenne, occidentale et blanche, et la sous-humanité à laquelle sont réduites les peuples du Sud mondial. Dans cette hiérarchie, le rôle dévolu aux Européens de seconde zone, ou aux Blancs de seconde zone, tels que les Grecs, est en plus que d'accepter docilement leur asservissement à leur bailleur de fonds, celui de jouer les gardes-chourmes de la forteresse, comme l'illustre à merveille l'accord inique signé en mars dernier entre l'Union européenne et la Turquie. Après la capitulation honteuse de son gouvernement, initialement élu pour renverser les politiques dont il est devenu le plus fidèle serviteur, le peuple grec se trouve dans une phase difficile de son combat. Plus que jamais, la convergence des luttes des opprimés et des exploités entre secteurs sociaux au sein d'un même pays et par-delà les frontières est nécessaire pour briser la cage de fer du capital et de ses institutions. Il ne s'agit pas ici d'une quelconque solidarité, mais de la construction d'une lutte unifiée contre un adversaire commun. Dans ce combat qui prend forme sous nos yeux, malgré les échecs et les vicissitudes, le caractère impérialiste, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, de l'actuelle Union européenne se révèle et se révélera sous son jour le plus cru. C'est dans ce combat que s'articuleront aujourd'hui les luttes contre le néolibéralisme, le racisme et l'impérialisme, conduite dans le centre du capitalisme mondial où nous sommes, avec celle du Sud global qui pénètre et est présent dans le centre lui-même. C'est ce combat qui donnera une force nouvelle aux phrases inoubliables par lesquelles Frantz Fanon concluait son ouvrage « Les damnés de la Terre ». Je cite « Si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale de leur société et de leur pensée, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. » Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire
peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Madame la Présidente, je plaide intégralement coupable, car de cet universalisme-là, de cet universalisme révolutionnaire, j'entends rester un combattant.